Une nouvelle attaque à La Réunion, chaque année 4 baigneurs en sont les victimes, malgré toutes les mesures de précaution pour écarter les squales des plages. Les attaques de requins sont à chaque fois spectaculaires et traumatisantes, mais elles sont rares. Dans le monde, une dizaine de personnes en meurent tous les ans, mais les moustiques, les serpents ou les éléphants sont bien plus dangereux pour l'homme, statistiquement. Ne bénéficiant pas de la même compassion que les baleines, dauphins et autres espèces plus sympathiques à nos yeux, les requins, victimes de leur réputation de squale gueule, sont en voie d'extermination méthodique dans l'indifférence générale. Le monde entier doit savoir que le requin est sans doute l'espèce animale la plus menacée des océans à l'heure actuelle. Ce n'est pas facile de protéger les requins, car les gens les craignent. Ils ne veulent surtout pas les approcher. Il est donc possible de les pêcher en toute impunité. Plusieurs espèces de requins déclinent très rapidement. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. C'est dû à la pêche et à d'autres activités humaines. Il faut que les gens sachent qu'on peut faire bien des choses pour remédier à cela. We'll be right back.
Il est 21h45 hier soir, dans la ville de Saint-Denis à La Réunion, quand cette voiture fauche un groupe de piétons. Ce choc a été extrêmement violent. Quatre personnes sont décédées quasiment immédiatement, et une cinquième personne est décédée cette nuit. Et donc la sixième personne est toujours dans un état grave. Le fort taux d'alcoolémie du conducteur est mis en cause. Il a depuis été placé en garde à vue. Les deux autres occupants du véhicule ont été entendus par la police. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident.